À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Pourquoi Jésus est-il mort? À partir de Caïphe, en qualité de grand prêtre, prophétisa. Jésus devait mourir pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. C'est à cela que sert le jugement ahurissant qui condamne à mort Jésus, l'innocent, cet enfant des hommes unique, pour avoir parfaitement accompli la volonté de Dieu. Sa mort sert à construire la grande famille humaine des enfants de Dieu, notamment en mobilisant tous les hommes et femmes de bonne volonté contre l'injustice qui frappe les innocents. Fraternité universelle dont avait conscience, par exemple, le sultan d'Égypte, musulman, pourtant en guerre contre les croisés, qui relâcha saint François d'Assise, venu lui parler de Jésus. Ou en témoignent encore, déjà, les franciscains en mission au Maroc, lesquels s'appliquaient, et s'appliquent vraisemblablement encore, à vivre simplement leur foi, sans jamais chercher à convertir les musulmans. Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain, nous faisaient chanter les prêtres et moniteurs qui animaient nos colonies de vacances lorsque j'étais enfant. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien. Ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.